Olympique de Marseille. Ouais. Là c'est vraiment quelque chose, quand je pense que demain matin à 8h le réveil va sonner, je vais me dire hier j'étais là. Vas-y. Oh. Les gars c'est parti, 32ème de finale, Thionville, Olympique de Marseille, vamos. Les mecs aujourd'hui on va vivre quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, qu'on maîtrise pas. Qu'est-ce qu'on a à perdre, on a mérité un match à 32ème contre Marseille, à Saint-Symphorien plein les mecs. C'est un match de foot, c'est que du plaisir, il n'y a pas de pression les mecs. À partir dans quelques instants pour ce 32ème de finale de la Coupe de France devant un stade plein, une ambiance formidable. Et c'est parti! Les gars, semaine de boulot Coupe de France contre Marseille, c'est maintenant. Ça va ou quoi? On a mis les couleurs déjà. Oh, t'as mis les couleurs. Oh, j'ai fait exprès de faire le début avec eux. Oh, Belka, c'est ce que je te rappelle le jour du tirage, ce qu'on avait dit sur le parking. Juste ici, pronostique. Olympique de Marseille. On était là-bas. Ouais, on avait dit quoi? Très bien. On avait dit, ça va jouer l'OM. Résultat, les gars, le tirage, ça s'est passé comme ça. US Thionville. Oh Olympique de Marseille. Ouais, ouais. On parle bien de l'Olympique de Marseille. Mais Belka, il faut savoir qu'il a une petite rancœur contre ce monsieur-là. Parce qu'il dit que c'est pas... Il y a quelques semaines auparavant, il chantait le chant du PSG, c'était où? En Nouvelle-Calédonie. Il y a un petit chant. Il me disait, qu'est-ce que tu fais? Il me disait, non mais c'est rien, c'est juste la musique. Normalement, c'est interdit. Non mais c'est même pas ça. Ah les gars, faut savoir qu'avant d'arriver là, contre l'OM, il s'est passé des choses, cette Coupe de France. On a fait une Coupe de France où je pense qu'il y a des mecs, ils font ça mais dans toute leur vie, tu vois. Même pas. Aller en Nouvelle-Calédonie, battre Nick 2. Tu connais quelqu'un dans ton entourage qui est en Nouvelle-Calédonie, Zach? Non, ça c'est un truc de fou. C'est vrai, de fou. Si, moi je connais des mecs, genre ils ont failli aller quelque part. Putain. Genre vous deux là. Ah c'est vrai que c'est vous, aussi. Wow, Nouvelle-Calédonie et Guadeloupe. Il y a deux ans, si on avait fait la Guadeloupe là. Avant qu'il y ait là, les émeutes. Là, ça aurait été génial. On serait les mecs de la Coupe de France. Hein. Non, les gars, là on est à quoi? On est à J-4. On est. Non, J-3, on est jeudi, c'est vrai, on est jeudi, les gars. Ça approche très vite, là, c'est un entraînement un petit peu plus ludique, on va dire. Pour les chômeurs. Ouais, tranquille. Mode tranquille. Mode finition. Ça va ou quoi? Tranquille. Ça va l'ancien? Ça va. Wesh. Wesh. Ça va ou quoi? Non. Comment? Érection. Ah si, dinguerie. Attends, est-ce qu'il t'a offert ça? Attends, il y a pas de Joule. Oh la vache. Il y a un contraste, frère. Oh la vache. Et tu vois, je vais au Saint-Symphorien, ça fait quoi? Bah, en vrai, je suis content. T'es de où? Je suis content. Moi, je suis content. Toi, t'as rien pris, Belka, ça ouais. Comment? T'as pas pris ton magnifique portrait que t'as reçu? Ça, tu veux que je te montre mon cadeau, moi? Ah les gars, il y a eu des sacrés cadeaux à la Secret Santa. Oh la vache! Oh, ça brille, hein! Ah, il est lourd! Graouli, ok. Oh la vache! Tiens, pas de souhait. Je crois que le passeport est arrivé. Oh la vache! C'est ça vous faites. Conversion, la Lorraine et Grenat. Voilà! La Lorraine, oh toi, t'es dans la merde, toi! Salut Thibaut, mais le cadeau est chez mes camos. C'est quoi? Je l'ai capillé. Je l'ai capillé. Moi, j'ai oh la super vache! Cadeau. La vache! Ah mon veuf! Tranquille. Il est bien le portrait. Ça, c'est. Oh, c'est la talonnade contre. Mika Borgé. Voilà. Mon frérot d'enfance. Ouais, je beau gosse. Ouais, juste attends, petite info. Monte voir le dégradé. Petit tribal. Monte voir, tourne. Deux traits à la KB9V. Ouais. Attends, bonjour. Moi, j'ai pas de cadeau. T'as pas vu là?
La casquette, gros. Voilà, vache. La casquette. Il a braqué, il est déjà. Ah, c'était vraiment un fan de Metz que t'as en fait. Ouais, lourd. Ah ouais, c'est en fait, t'as tout offert de Metz. Mais toi, t'es prononcé. Je crois qu'il y a le démon que je viens de dénoncer. Je crois vraiment, il veut me boumer, je crois. Là, il t'a tout offert. Oh la vache. Oh, tu vas venir avec ça, ça fait rien. Oh, le. Bah non. Le t-shirt. Même une montre. Vache. Parce que je pilote vraiment. Oh merde. Oh, c'est con ça. C'est l'heure, cette semaine, c'est quoi? Ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ton but, ça. Oh, me dis pas que c'est mon anniversaire. Mon gars, mon gars, c'est quoi là? Tiens, c'est grâce à toi ça. Merci, me dis pas que, me dis pas que. Ouais, ça part, Amine, bonne soirée. Ouais, merci, allez, bon dimanche. Vas-y, tu te sers. Grand job. Ah, on va peut-être pas carrer les pubs. Goût fraise, c'est la vie. Ah mon bigos, hier, ils ont dit, ouais, ils parlent pas, ils sont handicapés. C'est quoi? C'est ton quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est mon ami. Me dis pas. Malinkowski. Dis merci, dis merci, frérot. Crisou. Dis merci, frérot. Merci, mon ref. Oui. Merci. Petite paire de mon Gavin. Merci. Me dis pas que c'est mon anniversaire. Ah, viens voir. C'est quoi les grosses Jordan là? Oh là. Matt, la paire de godasses. C'est même plus des godasses, c'est des grolles. C'est oh là qui sont trop tard ça. T'es niqué, on dirait une boîte intérim, mais c'est sympa parce que demain tu commences à l'user. Tu mets ça du jour? Ok, parfait. Sur la canne qui arrive. Supportez, je vous préviens, supportez.
Ah, ils se sont trompés. En fait, ça, c'est à moi, en fait. Mais moi aussi, ils se sont trompés, regarde. Ibra, ça y est. Ibra, ouais, c'est pas mal dit, frère. Mais non, c'est pas vrai. C'est pour rigoler, donne. On se la trouve dimanche, quoi. Ouais, c'est pour dimanche. Transition ou... On vient, on fait une nouvelle. Viens, on fait une nouvelle. L'animal n'a pas souffert. Jour de match. On va faire quoi là, Ibra? On va manger. On va manger un petit peu après. Tranquillement, tranquille. Après, petite balade. Histoire de. Relaxer. Ouais. Après, prends le bus, direction le stade. Ouais. Gars, vous allez voir le stade. Hein. Le vrai stade. Hein. Obligé. Hein. Normalement, il est blindé. Mais j'espère que c'est pas comme à Nouméa. Je rappelle quand il avait dit il est blindé le stade, 10 000 personnes, il n'y avait personne. Non. Mais là, ça risque d'être lourd, les gars. On joue au Saint-Symphorien à Metz contre eux. L'OM. Oh, comment que c'est ce espèce de petit beau gosse là. Ça va ou quoi? Capot, ça va? Comment que c'est? Ça va, on est là. Oh la boule! Ah là là! Camille, beau gosse, ça va ou quoi? Tranquille, mon frère. Comment les gars? On est là. Ça va? Ça pêche? Comment que c'est, les gars? Ah ouais, nouveau joueur. Vous voulez gagner? Ça se voit, t'étais goal au City. Ibra, ça se voit, elle était goal au City. Défenseur central, la tête. Oh! C'est beau gosse. Ça va? Oh là là. Comment que c'est le Saint? Ça va ou quoi? C'est un bon gosse. Frérot, aujourd'hui tu marques ou pas? T'as tiré le moi, je vais te motiver, moi. Si jamais tu marques, t'as vu la paire de Mercurial Kane, je sais pas quoi là? J'en veux pas, oh là, elle est trop moche. Ah! C'est quoi ce délire? Nickel délire. Ouais, elle a tout niqué. Elle était trop frise. Tu vois pas, elle était tout contente. Tu veux les offrir? Non, c'est bon. Vas-y, carré, moi j'aime bien en fait. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Oh là là. Que des bleus. La lune est trop serrée. Ça va être interdit. Faut moins serré, s'il te plaît. Ça va être interdit. Je vais foutre dans le match. Je suis supporter. C'est vraiment un petit bleu. Non, c'est toi, t'es toi le plus beau là. Ouais, non. À son apogée. La forme. C'est jubilé. C'est défilé pour lui. C'est le festival de Cannes. Jubilé, red card. Oh la poigne. Comment que c'est? Ça va? La forme. Got you. I got you, my man. Oh! Culasse! C'est dingue de l'appeler culasse. Culasse. Tu savais d'où culasse? Ouais, de, tu m'avais dit. Joue une culasse, frère. Parce qu'il y a des garagistes, wesh. Ah oui, je suis l'équipe garage. Les mains toutes noires, frère. Non, je suis l'équipe mécanique. Il a joué à l'entraînement, il était déjà usé. Il est pro maintenant, il t'a plus. Tu dirais que Samir, il a mis la même paire. Mais lui, il est trop discret. Tu peux pas savoir ce qu'il met comme paire. Hein, tu veux pas savoir ce qu'il veut dans la vie, tu peux rien savoir. Moi aussi, moi, juste hein? Tu ah, mais lui, ça a été comme ça toute sa vie. Bah, moi aussi, toute ma vie, maintenant. Si vous m'écoutez. Lamine, on m'a dit que t'avais passé sur téléphone, c'est vrai ou pas? Bah, c'est là, maintenant, là. La matin, c'est déjà passé? C'est maintenant, là. Et toi, sur InfoSport? Ah, je sais pas, moi, sur mon chaîne. Ça fait deux jours, ça tourne non-stop. 24. Et toi, téléfoot? Ouais, moi, téléfoot. Bah, avec le capot, hein, le capot. Ah, aussi. Ah, lui aussi, t'es. Ah oui, lui aussi, c'est vrai. Ouais. Oh la vache! Un peu serré, non? On dirait pas les Boston Celtics. Là, on va dunker avec. Oh, téléfoot toi aussi? Elle. Oh là là. Canapus. Téléfoot, Canapus. Il y en a un autre ou pas? Il y en a un troisième. Il y a France Bleu qui tourne en boucle là. Si ça sera trop tard pour regarder au moment de la vidéo. Et toi, Mika, j'ai entendu téléfoot, Canapus, France Bleu. Gros, toutes les chaînes. Et nous, c'est quoi déjà? Le République. C'est vrai, on a fait le République. Non, t'as oublié l'essentiel. L'essentiel aussi, l'essentiel pour lui. De toute façon, regarde, c'est pas compliqué. Tous les journalistes, c'est pas compliqué, c'est où? Voilà. Celui qui veut rentrer au stade, le journaliste, c'est tout ici. Là, c'est lui. Ça veut dire s'il m'interview pas, il rentre pas. On va toujours les bouffer dans le stade. Oh la vache, regarde. Mais non. Et Jerry Lacoste. Hein? Et Jerry Lacoste. Ah, tu connais, hein? Histoire 2. Histoire 2. C'est les Jégui. Merci. C'est comme ma femme aujourd'hui. Tu me mets bien? On se suit partout. Même dans le vestiaire? Frérot, vestiaire, partout. Vas-y, bah t'as pas intérêt. Là, c'est enregistré. Dis-moi, on va manger où? Non, moi, je suis chaud, mais mets-toi en comptable. Je suis en comptable, c'est bon? Y'a pas de soucis, moi. T'inquiète. Bon appât tout le monde. Bon appât. Chamiana. Amine!
Laisse-moi manger. Innocent. En bout de table. T'avais pas coupé encore. Oui. Oui, ici là. Il va falloir se tromper de maillot dimanche, puisqu'on m'a dit ton secret quand même. Non, franchement, on est pas centré, on sait que quand j'ai trouvé l'équipe de Marseille. Ah Max, y a un souci là avec le supplète. Le supplète. Un peu serré. Parce que lui, il a dit que tu ressembles à quelqu'un. Lui. Michael Scofield. Il a dit tu regardes le plan, les gars. Regarde le plan sur le bras. Il est bon le plan, il est bon. Il est bon. T'as le plan pour StarCraft aussi ou pas? Il y a tout. Oh la vache. C'est quoi le slogan aujourd'hui? Alors c'est. Lusitanos, c'est pas des Bordeaux, mais c'est la même volonté, c'est Thionville baby. Seem like every captain gotta maintain the cap. On a rien gagné. On est à Nouméa. Oh, regarde le paysage, les gars. SDV 35, oui. SDV 32, Nouméa. Nouméa, bien sûr. Tu n'es pas là, lève la main. You gotta be who you really be shining inside. Oh là là, l'animal n'a pas souffert. Oh là là, t'es beau toi. Après les photos. Tu vas bien frérot? Ça va? Merci. Merci Samir. Merci Samir Bouza. Oui bébé. Ah j'avais peut-être ça moi l'autre. C'est ça même que oh je là veux. Là le trio. Mais j'aurais pu jamais rêver mieux. Oh le trio. Oh la connexion Samolo Nuevins. Ah j'adore. Bon tu m'en. Oh Chafik, oh là là, t'es beau gosse hein. Hein fait, là. Oh là il faut. Dans le set, Chafik, ne laissez pas une miette hein. D'accord. T'inquiète. Et créez l'exploit les gars. Ouais t'inquiète. On va voir après ça va. Ah Samir, toujours aucune parole. Le world. Rien à dire. Wow, on dirait c'est toi le jardinier. On dirait un peu, dirait, c'est toi le jardinier. On field, tout ça. Oh la vache. Toi, on dirait t'es faux, toi. Toi, on dirait là. On dirait. Ouais. Je suis réveillé comme ça ce matin. Guy Lavogui, on dirait. Je suis réveillé ce matin. J'ai cru, on m'a dit il y avait match, je suis venu. Aïe. Ah, si on t'avait dit Coupe de France, si, SDV. Son. Ah, toujours le parkage, hein. Ah, t'es pas encore, ils arrivent. Ils arrivent. Ah, il y a la famille, là, c'est moi, la famille. Où est-ce là-bas? Ah, je vois le 7. Aïe. Ils sont aussi ravagés que toi. Ils sont pas frais 31 personnes en prestige que des. SDB un petit peu là, supérieur. C'est... Ah, ouais, là, c'est vraiment quelque chose. Quand je pense que demain matin, à 8h, le réveil va sonner, je vais me dire, hier, j'étais là. Wow, la star. T'as écrit le stage, je l'ai vide encore. Ah, dis-toi, on est parti de SDB. C'est un truc de fou. Là, c'est bon. D'habitude, il fait ça. Après, il part là-bas. Et là, maintenant, il est là. Les gars, on bouge pas. Les Marseillais vont arriver, ils vont rentrer comme des ravagés. Ils vont rentrer comme des ravagés. SDV, on a bien évolué. Dealer, nous, ça fait quelques mois, on galère, nous. Ah ouais, avant, j'étais dans des champs de patates. Il nous a qualifiés dans des terrains, mon frère. Amine, de retour dans le groupe. C'est lourd.
de retour dans le groupe pour le meilleur des matchs. Comme il dit le coach, j'ai les pulsions, elles montent. Oh Amine, on fait le... Attends, viens, on attend. Ah, t'attends qu'il y ait un peu plus... Faut profiter, faut pas clapper direct, Zach. Tu veux pas clapper? Attends, on va attendre un peu. Viens, on fait un petit tour de stade, Fais un petit tour. Tu te rends compte que le stade, je l'ai même pas rempli, c'est déjà incroyable. Escorté. Finalement, on reste encore. On reste un peu? On nous a dit rentre, il y a deux autres, on reste un peu sur le terrain. On m'a dit qu'on avait démarré SDB quand Simon se retrouve ici pour le match contre eux. Incroyable. Hein. T'aurais signé ou pas? J'y aurais pas cru. T'aurais dit. J'y aurais pas cru. Là, ça commence à devenir réalité et on s'en rend compte et. Elle commence à vouloir faire des phrases trop longues pour toi, s'il te plaît. En plus, je trouve pas la suite en plus. Il y a un invité. Viens, on va chercher un invité. Il y a un invité aussi, les gars. Il y a un petit feat dans cette vidéo. Il y a un petit feat. Les gars, Nuevins X. Nuevins feat X quelqu'un. Habito. Alors, il l'a dit. Faut présenter le gars. Qui ça? Le feat. Voilà, là, il sait. T'avais dit la GoPro ouais, jour de match obligé. Ça va ou quoi? Ça va bien. Ça se passe bien depuis tout à l'heure? Ouais, franchement, ça se passe super bien. Des émotions un petit peu là, c'est bien, ça permet j'entends un petit peu le bruit de... que ça a fait quand vous êtes arrivé. Ouais, tu vois, tu relâches un petit peu la pression quand même, histoire de. Donc c'est bien, tu vois, il y a déjà la famille un petit peu, donc franchement. Ouais, t'as déjà pu voir du monde. Ouais, exactement, donc à partir de ce moment-là, c'est que du plus. Et Noé Vince, ouais. Tu te rends compte, au début, on était ensemble, on était dans la salle de sport ensemble. Il me dit, les gars, je sens, je vais avoir un concept, on va faire des vidéos ensemble. Regarde aujourd'hui où t'es, gros. Là, on est au sein pour rien. Aujourd'hui, Noé Vince, mon pote, il reprend le top 1 des vidéos YouTube dans le foot, les gars. Aujourd'hui, il récupère. J'ai pas vu un YouTuber faire ça, les gars. Vous en avez vu, vous, hein? Et puis pour la paire, film. Pour la paire. La paire de Pilkarz. La paire. Pilkarz. Pilkarz, je le connaîtra. Oh la vache, mais lui, oh, dommage, t'as des écouteurs de fou furieux. Hein. T'as dit quoi? Dommage, t'as des écouteurs de... J'ai obligé d'enlever hein, pour t'entendre. Oh, attends, t'es vraiment beau gosse. Hein. Attends, c'est son truc, la Costa. Ah, c'est beau. Bon, vas-y, oh, tu peux me faire un vrai clap, c'était nul tout à l'heure. Vas-y, les gars, c'est parti. Les gars, tu fais le clap avec lui ou pas? Non, je change pas une équipe qui gagne. Ouais. Le cop. Ça gagne 2002. Il a dit le cop. Les gars, c'est parti, les gars, 32e avec de l'enthousiasme, s'il te plaît. Oh. Les gars, c'est parti, 32e de finale. Thionville, Olympique de Marseille, vamos. On va sortir maintenant. T'en dis quoi? Et on rentre à 15. A Cacho. Et t'aimes. Bon, le ressenti est bon, hein. Maintenant il faut jouer le match. Donc on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Après, c'est toujours le terrain qui parle. Donc à eux de se faire plaisir et de nous donner du plaisir. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Wanted this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take it. Faut rester concentré et être comme ça. Donc on essaie de pas changer les habitudes et de rester dans ce qu'on s'est fait. Faut pas se mettre de la pression, elle va venir tout seul et puis. On va essayer de la gérer, mais faut pas rajouter des choses, des trucs en plus. Hein. Faut rester serein et puis se préparer tranquillement. Les mecs, aujourd'hui, on va vivre quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne maîtrise pas. Ok, mais on l'a mérité. Tous. Et même ceux qui ne sont pas dans le groupe, ils l'ont mérité. Quand on rentre sur le terrain, on regarde autour de nous. Par contre, au moment où on se met en place, les mecs, on se met en place pour jouer le match comme quand on a joué Longue-la-Ville, comme quand on a joué Belfort, peu importe, les mecs. Oh, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On a mérité un match, un 32e contre Marseille, à Saint-Symphorien plein, les mecs. C'est un match de foot, c'est que du plaisir, il n'y a pas de pression, les mecs.
Et ça va partir dans quelques instants pour ce 32e de finale de la Coupe de France devant un stade plein, une ambiance formidable. Et c'est parti ! L'OM vient tenter de lancer son épopée en Coupe de France face à l'US Thionville du Gitanos. Espace entre lignes, comme on peut voir sur l'image. Et un ballon sur le côté droit pour Veretout qui va pouvoir centrer. Où la tête d'Aubameyang n'est pas passée très loin. Occasion marseillaise sur cette première incursion. Et cette fois-ci, la reprise d'Aubameyang passe largement au-dessus. De la formation marseillaise. Ils sont rentrés dans la surface des Thionvillois mais ont été rapidement repoussés. Les voici dans ce ballon directement dans les bras de Ruben Blanco. Pas très tranchant là de la part de la défense marseillaise. Le centre est bon, en position de but peut-être Baradji, premier corner. Mais très bien défendu de la part du défenseur marseillais. Le corner, la reprise peut-être. Elle est un petit peu manquée. 20 minutes de jeu, toujours 0-0. Marseille en possession du ballon avec Gigo qui n'est pas retenu, Collet, pas de main. Il avait peut-être une petite main. Ouais, il semblerait qu'il y ait eu un geste, mais il faut souligner, attention à la frappe. Ouh, elle est cadrée. Qui peut amener la différence par la conduite, le danger comme là, voilà. Là c'est une... Attention à tout, ouais, bien fermé par Collet. Superbe. Un peu plus de verticalité pour Thionvillois, ou voilà, ça peut amener le danger, on l'a vu. Baradji, très bien défendu. Pas de faute, estime Monsieur Lissorg. Et oui, aussi, c'est un titre. Hein, et en plus, c'est un titre. C'est un titre pour l'équipe de Marseille et la Coupe de France, c'est une belle histoire avec l'OM. Attention, ce ballon pour Kondogbia, la frappe au-dessus. Meïté, Balerdi dans le rond central. Il allonge, il a essayé de trouver Murillo, ça arrive, mais bonne couverture là. Gourichi qui est venu défendre. Ça a été très bien défendu de la part du Gourichi, parce que ce ballon-là, Murillo était à deux doigts de le récupérer profond. Il y a de la taille côté marseillais. Ouais, Gigo, Kondogbia, attention à la tête, elle est bien frappée, cette tête justement de Samuel Gigo. Ils sont les deux alignés sur la même ligne, donc difficile de les trouver. Peut-être un qui doit descendre un peu plus bas. Eh oui, Gourichi, c'est bien ce qu'il fait là, c'est même superbe. Il a réussi peut-être à trouver Baradji. Oh, quel dommage, mais quel festival sur le côté gauche. Ouais, le ballon. Et de faire des différences. C'est coupé par Balerdi. Ah, c'est peut-être le moment d'emballer ce match. Récupération Vitinha, il a réussi à contrôler ce ballon, il va accélérer. Attention, ça va vite. Ferrino qui va essayer de jouer. Bien joué de la part du capitaine qui pour l'instant fait un match exceptionnel derrière. Et on sent qu'il y a un peu de confiance aussi, il y a un petit peu de. Le soulagement peut-être aussi. Ah, il faut laisser jouer, il a raison Monsieur Lissor, il faut laisser jouer ce ballon avec Poinsignon, le long ballon pour Baradji qui va passer peut-être, non, la tête de Gigo, c'est bien joué, Baradji Lissor, c'est pas terminé, il est repris par Meïté. C'est des cheveux qui enlèvent ce ballon à Baradji parce que là il partait seul au but. Il va prendre le jaune là, le joueur, c'est sûr, voilà. Ouais. Lodi pour ce coup franc, son pied gauche pour amener du danger dans la surface et mettre en difficulté Théo Jonker. C'est bien frappé, il est bien frappé et bonne sortie des deux points du gardien thionvillois. Ça commence à s'animer là, le dernier quart d'heure, on va dire les dernières 10 minutes. Voilà, pour l'espace de Veretout, la frappe de loin, il n'a pas cadré. Ah, quel dommage, Jaquel. Oh, le contre, c'est du 2 contre 2 pratiquement, ça va vite, Ferrino, il est seul devant Ferrino, le sort, superbe défense de Ferrino, qui est pour l'instant l'homme de cette première période, qui a d'abord été éliminé mais il n'a pas cédé complètement, regardez son appui est un petit peu difficile mais derrière il fait le travail. Et derrière c'est des contres, c'est des attaques rapides. Attention, Grou n'est pas totalement rentré dans son match. Attention, Baradji, peut-être à la lutte avec Meïté. Derrière, il y a Gourichi qui va aller le soutenir pour essayer d'amener encore du danger. Oui, il y a une faute. Oui, ils s'arrachent tous, mais il y a une faute sur Meïté. Et on voit. Bon joueur, il faut qu'il se calme, il a un jaune. Il a un jaune déjà.
à la Desperado côté Thionvillois. Le centre, attention, peut-être Gigot encore une fois en position quasiment d'avant-centre. La frappe, ouais, bien sorti Vincent Collet. Bien sorti Vincent Collet, il n'a pas compris ce qu'il a à dire. Le contre-attaque avec Groen justement sur le côté droit. Groen face à Balerdi. Il faut la jouer correctement cette balle, elle est importante. Groen, encore une fois, trop tard. Et Nadir. Ouais, c'est Verino. Ouais, avec Vertu, le bon tacle de Collet. Et Verino à l'épaule. Ouais, qui a été secoué là, Jordan Vertu. À mon avis, de manière correcte, de ce que j'en ai vu. C'est licite. C'est à revoir parce que la Vertu reste au sol. Attention, parce que ça part vite de l'autre côté. Gourichi, coup franc. Elle est bien placée ce coup franc. Il a mis le feu là, Gourichi. Ce match est en train de devenir un peu dingue à 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Et ça commence à se décanter, ça commence à s'animer là, les 2-3 dernières minutes du match. Non, il n'y a pas faute sur cette action-là. Là non plus. Attends, le coup de coude. Ah, c'est à revoir, attention. Là, on voit Gourichi, là, il y a faute clairement. 20-25 mètres. Une ligne de temps additionnel. La frappe, ouh, et un corner peut-être, juste avant d'aller à la pause. Il y a pratiquement 6 bleus. Il est pas mal frappé, ce corner. Attention. Un ballon qui traîne un petit peu. Ouais, faute. Ouais, faute là, sur Gigot. Très bien et défendu. Monsieur Lissorg renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de 0-0. Écoutez, clameur du public. Messieurs, je suis avec Adrien Ferrino, un des grands acteurs de cette première mi-temps. Adrien, c'est la première mi-temps idéale pour Thionville. Idéal non, parce qu'on n'est pas devant au score. Hein. Comme on l'a dit, on ne se cache pas, on vient chercher une qualification ici. Et du coup, c'est une bonne mi-temps parce qu'on est encore en vie. On a montré qu'on avait des arguments. Après, voilà, on a encore 2-3 choses à corriger. Et il faut qu'on reste bien compact, bien déterminé et puis essayer de créer quelque chose. Merci Adrien. Et on va écouter Samuel Gigot avec vous, Yohan. Samuel, vous avez pris ce match par le bon bout, c'est vous qui tenez le ballon. Malgré tout, vous avez du mal à vous montrer dangereux face à cette équipe de Thionville. Bonjour, c'est vrai, on joue face à une belle équipe qui lâche rien, on l'a vu. C'est des moments de fin sur chaque ballon, on le sait, c'est la Coupe de France, c'est comme ça. Il faut faire un petit peu plus, surtout dans les 30 derniers mètres. Je trouve qu'on a manqué de justesse, aussi un petit peu d'intensité, de faire un petit peu plus de course. Mais voilà, c'est un match de Coupe de France, il va falloir... Rattaquer la deuxième mi-temps avec un peu plus d'intention, un peu plus d'agressivité et essayer de marquer ce but. Max, faire attention à ton carton. Il faut se mentaliser des mecs qui vont rentrer, que rentrer là-dedans. Ouais, c'est vraiment vous jeter dans une arène. Du calme, retrouver de la largeur sur nos récup. Ibra, Max, ça c'est bien. On va toucher le Val, on va toucher Vince avec un peu de temps. Sur les coups de arrêtés, montrez-moi que vous êtes en place. Ibra, je sais que tu sais. Mais mets-toi en place, regarde pas le sol. Va te mettre au dos, boum, moi comme ça, ouais. Je te laisse, je me concentre sur autre chose. Quelles sont les consignes du coach sur cette deuxième mi-temps? Pareil qu'en première mi-temps, rester cohérent et on va en avoir une et essayer de la mettre au fond parce qu'on sait que ça va être dur. C'est de marquer un but quand on a la possibilité de le faire. Merci Julien, bonne deuxième période. Et c'est reparti pour la seconde période avec, vous l'avez vu, un premier changement du côté de l'équipe marseillaise. Ils sont présents au premier au second ballon, donc... la bonne intervention de Gourichi, il va pouvoir frapper, elle n'est pas cadrée. Point sur la table et a dû vite les bouger, notamment par rapport au regarder le changement qui a été fait rapide à la mi-temps. Hein. Ouais, ils obtiennent des bons ballons, Gourichi sur son pied droit, Gourichi dans la surface. Attention, Guirouchet contre un. Le centre, attention. Il est beau le centre. Ah, il est repoussé par Balerdi. La frappe peut-être de Jacquel. Le crochet un petit peu long et Kondogbia est là pour empêcher ce ballon d'aller plus loin, mais oh, attention, contre le danton entre Aubameyang et Vitinha, il n'est pas bien joué par Aubameyang. C'est pas bien joué par Aubameyang. Attention, c'est pas terminé. Vitinha derrière avec Nadir dans l'axe pour Klaus qui est pris, Nadir à nouveau, il peut centrer, Nadir, la frappe, contrée, Vitinha à nouveau, c'est encore. Ça sur tous les ballons. Et la parade de Jonker sur ce ballon de Veretout. Du mouvement aussi parce que ça manque de mouvement. Close le crochet, pied gauche, le relais avec Nadir et le corner. Cité offensif et défensif de cette transition off. Oh, sa tête, ce ballon qui traîne. Venir défendre, aider son latéral, il le fait très bien Gourichi. Est-ce que Marseille va appuyer pour faire mal à l'image de Klaus? Bon. Peut-être pour Vitinha, la frappe de Vitinha. Et là, cette fois-ci, c'est Bouzard qui s'est couché. Oh, les guerriers, également, hein. Les guerriers mosellans, les guerriers de Thionville, ils lâchent rien.
on voit direct le visage de Marseille, c'est notre visage en deuxième mi-temps. Ah, il vient de faire des ballons. Bourgeois, est-ce qu'il va pouvoir lancer Groen? Ouais, Groen, un contre 3, la frappe. Ouais, c'est encore un petit peu précipité même. Kondogbia. Dire à nouveau le centre. Ah, c'est bon. Et bien joué Jonker dans les pieds de Gigot. 9 matchs, 0 défaite hein, pour Thionville dans ce groupe. 6 victoires et 3 nuls. Et Thionville qui est au niveau de l'équipe réserve olympique de Marseille qui a N3. Donc, Oh, le bon ballon pour Aubameyang. Aubameyang, Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, son 6e but cette saison. Et le but, regardez. On voit l'accent, très bon ballon de Veretout de la profondeur. Aubameyang qu'anticipe, qui se retrouve bon contre la poitrine. Et le petit lob, la petite justesse technique, la petite finesse d'Aubameyang. Ah, le contrôle de la poitrine extérieure. Et ça fait 1-0 pour l'OM. Gant de Juncker. Là, il a de l'espace, le jeune Gant. Il a de l'espace, le jeune Gourichi. Il a de l'espace. Avec contrôle, c'est sa qualité. D'élimination. Bien joué. Ouais, faire ça combo bien, c'est difficile. Il y a faute. L'équipe de Thionville qui est coupée en deux. Hein. Qui est pratiquement coupée en deux. Il y a les 5 défenseurs, il y a les 4 devant. La bonne sortie de Collet, c'est bien ça, il a des jambes. Vincent Collet, mais il va falloir la donner. Parce qu'il est revenu, il va prendre un jaune. Bilal Nadir. Donc, il y a Klaus. Oh, la contre-attaque à droite, s'il voit à droite. Ouais, c'est un petit peu long pour Gourichi. Ouais, Gourichi, le double contact. Ouh, ça va être difficile quand même là. Il s'est engagé dans quelque chose de compliqué face à Meite et Klaus. Mais la récupération de Silla. Gardez la conserver parce que à force de courir. Ouh, là encore un ballon. Le, bon ballon. Le même. Ah, c'est le même but. Non, cette fois-ci, il est juste à côté. Oh, quelle occasion énorme. Belle récupération de Kondogbia. Kondogbia qui a fait un bon match hein. C'est vraiment le patron de ce milieu de terrain. Et là il y a une transition pour l'Olympique de Marseille de la part d'Aubameyang. Aubameyang, là, il n'a pas vraiment été très inspiré Aubameyang sur ce centre. C'est pas mal de découvrir le groupe, d'être avec les joueurs, etc. C'est déjà une bonne chose. Klaus qui va les provoquer. J'attends Klaus pour Veretout, la frappe, ouais, c'est une frappe un petit peu écrasée. Il a un peu plus son ballon, il pouvait mieux faire et se l'amener pour avoir un angle de frappe. Vitinha qui réussit à s'arracher, à reprendre ce ballon dans la surface, à frapper directement et à cadrer. Thionville, et c'est presque beau à voir de se dire que même face à une équipe de Marseille censée être supérieure et qu'ils tiennent leur résultat qui est une défaite, mais qui n'est pas une... Ouais, voilà, regardez, il y a un petit peu d'énervement là de Kondogbia face à Ferino. Ouais, je pense qu'il reproche un mauvais geste de Ferino. Ouais. Là, on va voir au ralenti. Bon, allez, c'est vrai qu'il met un peu les mains là. Il reproche ce geste là à la fin, ce geste d'énervement, peut-être ce geste de frustration parce qu'il perd, il veut récupérer le ballon vite. Mais je pense pas que ce soit méchant. Hein. Je pense pas que ce soit méchant parce que le voit Ferino, il est en très bon état d'esprit, c'est le capitaine. Après, on le voit, il discute avec. Il avait la main un petit peu haute, on pourrait dire. Ouais, il a mis un petit peu le coup, parce qu'on lui reproche Kondogbia, mais. C'est parce qu'il veut récupérer le ballon assez vite, il perd 1-0, donc on le voit, c'est pas méchant. Mais c'est un geste à ne pas faire. Et je suis persuadé qu'ils regardent tous le match devant leur télé. Donc. Ah oui, on a eu un bon match, on a eu de l'ambiance. Oui. On a eu de la chaleur aussi, malgré tout, parce que. Moi, Manu, je suis originaire de Mayotte. On a vu un beau match. Un beau spectacle et c'est pas terminé, mais bravo aux deux équipes. Ouais, il était costaud. Il était costaud, il a mis de l'impact défensivement. Sur ce ballon pour Veretout, penseur. Et Aubameyang pour conclure. Allez. C'est terminé. Monsieur Lissorg siffle la fin de cette rencontre, un petit peu de frustrante sur ces 5 dernières minutes. Avec une victoire de l'OM, 1-0, but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 62e. Et ils ont fait le job, comme on dit, avec une belle qualification pour le prochain tour. Et bravo aussi à l'US Thionville, Citanos, parce que c'est vraiment une équipe combative qui lâcherait à l'image des entraîneurs Stéphane Borbiconi et Julien François. Donc bravo pour leur parcours et qui continuent comme ça en espérant que l'objectif de la N2
soit à terre à la fin de la saison. T'as d'esprit, et c'est ça le charme et la magie de cette Coupe de France. C'est pour ça qu'on l'adore. On adore la Coupe de France et bravo. Et regardez cette image. Et bravo à l'Olympique de Marseille pour cette aide d'honneur, parce que c'est ça l'état d'esprit, c'est le fair play et le respect. Donc bravo à l'Olympique de Marseille. Ouais, l'Olympique de Marseille qui félicite chaleureusement les adversaires. Il y a eu des frictions. Il y a eu des frictions sur la fin, mais ça faisait partie du jeu. Tout a été merveilleux dans cette journée. Et on va nous... On va faire une petite interview avec Thibaut Jacquel, un Tétionvillois, très rapidement. Très rapidement, il y a analysé. L'élimination, malgré tout, ça a été une expérience fantastique ce match. Ouais, c'est sûr, c'était vraiment une belle fête. Après, on est tombé sur un Olympique de Marseille, une grande équipe. Probablement la plus grande équipe du football français. Après, on a essayé de jouer notre jeu. Je pense qu'on a eu quelques occasions qu'on aurait peut-être un peu mieux joué. J'ai eu un lob un peu de 40 mètres. Si je le mets dedans, je pense qu'elle est dedans. Après, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Merci beaucoup Thibaut et bravo. Gravé dans vos mémoires, et vous le raconterez même à vos enfants un jour, d'accord? Bravo les gars pour ce match, hein. Bravo à vous. Hein. Qui était là, qui se rendait Thionville, depuis plusieurs mois quand même. En fait, la fierté en fait de notre ville, de notre territoire. Mais depuis un mois, on a franchi une étape tous ensemble. Il est retombé, les gars, vous savez très bien, vous nous connaissez, il n'y a personne qui s'échappe là. Parce que maintenant, on sait pourquoi on joue et on sait pourquoi et comment on veut y aller. Donc, responsabilisez-vous. On l'a rempli quand même. Hein. Ah ouais, vous l'avez rempli. On l'a bien rempli. Regarde, deux caméras. Vous l'avez rempli. On est là, on est ensemble. On l'avait dit, on l'a fait. On l'a fait, mais bon, on l'a pas fait. J'ai un sentiment mitigé. Mais bon, tu ressens que ces équipes-là, dès que t'en as une, il faut la mettre. Et ça, c'était plus compliqué de s'approcher vous des... Vous en avez eu, parce que j'ai vu plein de matchs. Ouais, c'était pas lamentable ce qu'on a fait. Franchement, ce que vous avez fait, c'est... Écoute, t'as dit tout. Tu savais pas, mais moi, j'étais prévu un petit cadeau quand même. Oh. Un petit maillot, voilà. Oh, Neuvin 66. Ah, oh, t'es incroyable. Petit maillot Neuvin 66, voilà, tu pourras repartir à... Il va clairement repartir dans la collection, celui-là. Oh là là. Ah, j'adore, il est magnifique. Ah, c'est incroyable. Les gars... Le fit, il était incroyable quand même. Ah, ça aurait été incroyable. Mais les gars, il m'a dit avant le match, il a la poisse lui. Il a la poisse en Coupe de France. Tous les petits poussés, ils perdent avec lui. Il choisit des matchs qui sont toujours avec des écarts énormes. Et c'est vous qui avez fait mais le bon. Meilleur résultat avec autant d'écarts. Puis surtout, pas de... c'était pas n'importe qui. Bah non. On a rempli tout ce stade, les gars. Et c'était incroyable. On va te remercier quand même pour ta venue. Franchement, merci à toi. C'était un super, merci à tous. Un super événement. Puis... Puis moi je vais aller voir un petit peu le ressenti un petit peu des joueurs. Continue. Allez, continue. À bientôt. Continue merci à bientôt Stadito. Allez vous merci. Abonner les gars. Merci. Un petit mot. Déception. Déçu. Mais t'aimais bien comment ça crée. La défaite. Première défaite depuis pas mal de temps quand même. C'est là, pas y a l'OM n'importe qui. Ouais, c'est pas n'importe qui, mais en plus 1-0. Mais bon. Vraiment, c'est de la match. Ciao. On a donné tout ce qu'on pouvait, je pense. Ciao. Merci beaucoup. Merci de nous avoir Est-ce que tu sais faire ça, ouais, ça les gars, je vous mens pas. Calou, tu t'avais, j'ai demandé aucun maillot. Non. Mais. T'as donné des protèges. J'ai donné des protèges. Dégagez. Regarde. Oh, encore un ancien de Thionville. Encore un. Après, moi, je suis venu vous voir. Encore un. Ah, tu vois, je suis dans le thème en plus. Bien passé. Je suis dans le thème. Boulevard des légendes. L'invitation de Vince. L'invitation du Vince. Les gars, pour ceux qui se rappellent pas, c'est qui? C'est la fameuse célébration. Ah, t'as dit quoi avant le truc? Allô? Dans 5 minutes? J'arrête le foot, les gars. Tu vas arrêter là? C'est carré, j'ai donné mes grands mots, j'ai donné tout. T'es à poil? J'ai tout donné, à poil. Arrête le lobe, toi. Ouais. Avec les lobes, frère. J'ai failli en prendre deux, donc. C'est bon, le problème, il est pas passé loin. Ouais, bah c'est bon. Oh. Vous avez apprécié le match quand même? Mec, le match, il était dingue. C'était incroyable. Mec, c'est tout. Et toi, mec, t'as été. T'étais le meilleur. Mais ça, c'était la bonne pute, ça. Non, le 6, c'était vraiment dingue. Mais toi, vraiment ouf. USTL. Allez, USTL, allez.
Ah, ça c'est beau, non, ça. Vous avez franchement, on a kiffé, on a passé un bon moment. Vous avez bien joué, ça c'est joué à pas grand chose. Ouais. Oh, les gars, c'est dingue. Il y a deux tours, on était en Nouvelle-Calédonie. Ces deux personnes-là, ils nous ont. Les tortues, pas les tortues, on est pas les tortues. Et là. Non, ça, fais-moi ton truc, Laval. Tu veux l'ouvrir? Ça, c'est bon, ça. Vous avez 20 000 km. Il a dû payer les places. On a vu tout, les gars. 20 000, tu sais qu'il m'a regardé. Je me suis dit, c'est qui? Là, je me suis dit... Ouais, c'est pas possible, c'est qu'il n'est pas là quand même. Il est venu le. Il est venu le frangin. Il est venu le frangin. Franchement, c'est que j'ai que des bons retours de Nouvelle-Calédonie en plus. Les personnes de là-bas, c'est incroyable. Ah, c'est vrai, gros match, mon grand. Non, merci beaucoup. Franchement, très gros match. Après. Gros match et bientôt grosse calvitie. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est en préparation. Ça, on en reparlera. C'est dommage. Dommage parce regarde lui. Si on prend pas de but là, on dit, vous pouvez les amener au péno. Ouais, c'est clair. Franchement, on est gourmand, mais. On peut vous prendre. Oh là là, petit beau gosse. C'est vraiment beau gosse. Toi aussi, tu rentres en bus? Non. Tu rentres comment? En flexibus. Je rentre en flexibus. Je rentre en Kiolis. On est déçus, mais bon. On est fiers de ce qu'on a fait, mais on est déçus quand même. Ce qui fait chier, c'est que tu dis, tu prends pas de but là, tu peux l'amener au péno. Après, faut pas être. Oh, fallait sauver sur la ligne là-bas, frère. Mais j'étais un peu loin et j'étais un peu lent. Bref. Ça fait un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Mais bon, c'est les détails. Comme on l'a dit, c'est les détails. On a montré une bonne image, on sort la tête haute. On a rempli 28 000 places. Et qui n'était pas forcément. Pour nous au départ. Pas tous pour nous non plus au départ, mais ils ont entendu que... Voilà. Non, c'est top. C'était incroyable. Ouais. Fin de l'aventure, Ibra, petit dernier mot. Fin de l'aventure. Pas de prime, mais au moins je repars avec une bouteille que la dame m'a donnée. C'est gentil. On se retrouve quoi la semaine prochaine pour La semaine prochaine pour France. Fin d'une belle aventure. Hein. Ouais, c'était quand même bien, là, cette aventure. Tiens, un petit mot de la fin. Ciao, beau gosse. Bon match. Les gars, juste un dernier mot. Passez une belle année. Je vous remercie pour tout l'engouement qu'il y a sur cette chaîne. Et bientôt 10 000 abonnés, c'est un truc de fou. J'ai pris la place de Basi Bouli pour le match, juste à côté de Mehdi Benatia. Je vous souhaite que du bonheur pour 2024. Nous, cette aventure, elle s'arrête là. Le sentiment de ne plus être invaincu. On va essayer de renouer ça directement en championnat la semaine prochaine. Mais en tout cas, prenez soin de vous, la famille. Et on se dit à très bientôt. I got you.